Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et je vais vous parler de Spider-Man 4 parce qu'il se passe beaucoup de choses. Et ce que je peux vous dire, c'est que Tom Holland, bien évidemment, déjà je peux vous annoncer que le film va être très sombre. Et à l'image un peu de The Batman, on voit Bruce Wayne devenir Batman à la fin du film en fait. Un accomplissement, en fait, je dirais que c'est son premier grand acte d'accomplissement depuis qu'il est Batman dans le film. Et Spider-Man avec Tom Holland, ça, il va se passer la même chose, sachant que le Kate va essayer de traquer un peu comme dans les bouquins Devil Wayne, Daredevil, Jessica Jones et les autres, un peu plus le monde, enfin, les héros de la ville, entre guillemets, et qu'il est dit que, en gros, le Kate, à partir de Echo jusqu'à Spider-Man 4, sera un peu le Thanos de la rue, en gros. Et du coup, ça s'annonce intéressant parce que je pense que le Kaïd va envoyer plein d'ennemis de Spider-Man contre lui et le reste. Et du coup, vous allez voir Spider-Man et, comme ça s'appelle Juvian, Daredevil faire team-up. Ça va être exceptionnel, ça va être juste